Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Donjon de Nullbuck. Donc épisode 11. Je vous remercie déjà pour le suivi que vous avez de cette série, de ce jeu hein, qu'on rappellera donc sous-côté. Bien sûr. On n'allait pas où? Ah non, parce que je suis en train de jouer à la manette là, mais en fait d'habitude je joue pas à la manette. Attendez, je repose la manette. Je configurais manette certes, mais ah, à moins que on ait une touche. Non, ça c'est pour changer de bonhomme. Est-ce que j'ai une... Ok, ça c'est pour la carte. Est-ce qu'il y a un truc... Ouais, je sais, le problème c'est que je peux pas savoir s'il y a quelque chose qui est en surbrillance ou pas. Faut que je vois si... Il y a un truc qui me paraîtrait en surbrillance... Ouais... Non, je sais pas... Non, ça a pas l'air, hein, Oh, mais pas l'elfe, donnez-moi un ranger. Oh, donnez-moi un voleur. Alors, on va voir à la manette comment ça se passe, un peu. Genre, si je fais A, il y va tout seul comme un grand. Ah, il marche dedans, direct. Tirez sur le bon loquet. Tirez sur le bon loquet. J'ai gagné des explosifs. Intéressant. Alors, certes, mais est-ce qu'on peut mettre les objets en surbrillance? Est-ce que c'est possible? Alors, normalement, oui, c'est possible. Le problème, c'est qu'on peut pas le savoir. Reprendre le voleur. Voleur. Voilà. Caméra. Oh ouais, c'est agréable à tourner la caméra en manette. Je vous ai raconté l'histoire de la grande grève du syndicat des charcutiers en 503 du premier âge? Non. J'avoue, on aimerait bien la connaître. Tirez sur le bon loquet. Voilà, get locked. Non, ça c'est pour changer de bonhomme. C'est forcément une de ces touches là. Alors, je vais reprendre juste le ranger et j'aimerais voir moi ma touche c'est quoi déjà. Je sais même plus c'est laquelle. Non, c'est pas ce que je veux. C'est tab. Alt. Oh, je sais même plus. Boum, donc bon, ça on n'a pas l'air de pouvoir le fouiller. Tac tac. Pas l'air d'y avoir de piège par ici. Ça doit être la bagarre par là. Pas de bagarre par ici. Ah, on me propose auto de fouiller. Attends, y a une touche pour mettre en surbrillance ou pas? Ah non, quand t'es en manette, c'est genre attendez, je mets mon souris juste pour voir. C'est quoi ma touche en souris là? Je devrais le voir en surbrillance. C'est tab. Ok, donc là en fait en manette il vous dit automatiquement ce qui est lootable. C'est triché ça. Ces sales gobelins font vraiment n'importe quoi avec leurs outils. Potion de résistance physique. Le secret des poulets. On a tout lu sur le secret des poulets, non? 4 sur 4. Parfois les changeurs de forme prennent l'apparence d'un poulet pour tromper l'ennemi. Mais quoi qu'en disent les magiciennes, c'est plutôt rare. En combat, tenez-vous éloigné des poulets car ils s'attaqueront à n'importe qui sans distinction de camp et ils ne rapportent pas d'XP. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Bombe d'acide, on a loot. Oh, on a le 3 sur 3 des ogres. Il va falloir que je commence à rapporter des livres à un moment donné. Hein. Épée à deux mains de Nirlim. L'est-il? Une épée à deux mains, de belle facture. L'est-il? Y'a quoi là-dedans? Ah, c'est mon sac. Ah mais je peux pas l'équiper, c'est genre un... C'est juste une pièce de stuff. Allez, c'est peut-être un objet de quête, bref. J'ai pas mémoire des choses, je ne me rappelle de rien, comme d'habitude. Vous dirais-je bien gaming, mais vous avez l'habitude. Allez. On déroule. Donc là, idéalement, il faudrait repasser sur un voleur. Voilà. Ça a l'air d'être... Voilà, voilà. La caméra un peu énervée, en fait. Oh là là, la bagarre avec des golems. Bon, là, il n'y a pas de piège. Là c'est safe, c'est secure, ok. Vous êtes du genre pénible, un peu comme un vieux sparadrap collé au bout du doigt. Mais j'ai de la ressource et nous sommes légion. Encore des gobelins. Il y en a jamais trop à désinguer, on va éradiquer tous ces pauvres et on fera des paillassons avec leurs oreilles. Oui, ils sont vilains, je leur dis zut. Appétissante ingénue, on la gardera pour la suite. Vivante ou morte d'ailleurs, peu importe.
Allez, qu'on appelle mes autres gardes. Ralak, Ralak, Veratsa. J'aime bien la statue au-dessus de la porte. je regarde des trucs bizarres, mais... Ok. Alors, le boostas qui je rapporte au plus... vu que je me rappelle pas, comme d'habitude, des compétences de Megaren, on va faire, comme d'habitude, à peu près n'importe quoi, c'est-à-dire on va placer les gens n'importe quand, n'importe comment. Alors, je veux un nain. Comme ça. Non, ça c'est un voleur, moi je voulais un nain. Ça on s'en fout, ça c'est une tarlouse. Voilà. Ouais, je veux un nain ici. Voilà, parfait. Je veux un ogre. Par là. Je veux la magicienne juste à côté. Je veux un ranger ici. Je veux une elfe par là. Je veux un bar ici. J'ai l'impression de jouer à Blood Bowl en termes de déploiement. Hein. J'ai l'impression de jouer à Blood Bowl avec des orques noirs. Je vais pas vous mentir, ça y ressemble un petit peu. Hein. Mon style de jeu. Ça veut dire qu'il va gagner une action en plus. Je suis pas très fan. Je suis pas très fan de ce qui va se passer. Ah, il a rien fait, il a été sage. Je vais pas donner de bonus, hein, tant pis, hein, je vais devoir souquer les Artimus. Me voilà. Quoique... Je vais le faire quand même. Est-ce que je peux me mettre genre dans son dos? En fait dans son dos c'est là, mais je vais déclencher un truc. Et je vais pas trop m'exposer, je vais me mettre là du coup, tant qu'à faire. Tac. Et ça c'est celui qui zone, ça c'est celui qui tabasse plusieurs fois, c'est ça? Tabasse! Non. Tabasse! Je vais reprendre des chocs électriques sur le coude. Qu'est-ce que... j'aime pas. Ah, ça cible qu'une case en plus, ça fait rien au foutu golem de ses morts. Ça c'est un nain. Les nains c'est bien, c'est petit et c'est bourrin. Alors, j'aimerais tenter de le renverser, mais je pense que... Ah oui, mais c'est vrai qu'avec le nain ça crame tous ses moves. C'est vrai que j'ai un nain qui a zéro mouvement, là maintenant tout de suite je viens de m'en rappeler. Ouais, on va prendre un ogre, on va le mettre par là. Paire de chiches qui inflige deux attaques à toutes les cibles devant l'ogre. Ça fait mal, on va peut-être pas faire ça. On peut me le renverser à la limite ou me le repousser, genre voilà. Raté. Ah, il va rater un coup de bedon sur une grosse cible statique. Hein. De l'empoisonnement, oh, raté. J'ai de la chance. Ça c'était cool. Tac. Ouais. Là-dessus, je suis pas sûr. C'est pas forcément ce qui va m'intéresser. Les gros m'intéressent pas mal. Hein. Après, lui, ça se quasi one shot. C'est-à-dire que le voleur pourrait se le faire tout de suite après. Allez. Ah bah esquive. Bah voilà. Tu es une déception sans fin. Ma sorcière, oui. Mais alors plus cachée ma sorcière. Un peu moins de zèle pour la sorcière. Des squalala, des trucs, des machins, non. Un petit coup de bâton en distance quoi. Ah, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ah, je tapais un ogre, j'ai pas fait gaffe. Bon, faut pas taper l'ogre. Pourquoi je peux pas là? Furtivité. Et si je devenais un ninja? Je ne suis pas là. Voilà. Ça là, je peux bouger librement. Quoi?
Tac, 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 tac. Bon, champ d'attaque de flanc, donc ça voudra pas, évidemment. Mais c'est pas grave, on va faire juste une attaque de base. Rivastak! Oh, je suis pris crit. Même pas en rêve. Chouf chouf. Ok, mais encore. On a d'autres choufistes. Même pas mal. On n'aura même pas tombé les deux golems de métal. Ah non, il a fallu qu'il appuie sur un bouton. Pourquoi il a fallu qu'il appuie sur un bouton? Pourquoi j'aime pas ça? J'aime pas ça. Et j'ai deux choufistes. Ok. Viens prendre un café, ça reste honnêtement comme combat et douloureux. Oh putain. Ah, je pense que c'est excellent. Je sais que ça vous intéresse énormément. Et bien sachez que ça brûle. Ah. Certes oui. Bah tiens là-dedans, hein. On va pas se gêner hein. Oh bah oui, gloire à lui hein. Ouais, je sens que je vais regretter ce que je vais faire avec l'elfe. Attends, je peux mettre une gifle comme ça? Ah non. Dommage. Dommage. Si je prends une saucisse, fin de mon tour. Mais de toute façon, tu vas prendre tellement de caisses. Je suis d'accord. Fourre-toi une saucisse dans le bec, mon pote. Bizarrement, tu vas te retrouver à tanker. Et oui, parce qu'après il me reste plus qu'un mouvement. Et ben ce sera comme ça. Au moins t'es en face-face. On va se remettre une elfe par ici. Salut, je suis le ranger de Loubet. 98, 88, 83, 103 sur celui-là. Oh. Oh. 98%. Elle s'est repris un retour de flèche, comment t'as fait ma grande? T'es pas censé, j'ai amélioré ton truc pour pas prendre de retour de flèche je crois. Je sais même plus en fait. Prends un peu cher hein. Tornade de jambes fer, ça c'est le truc qui me permet de... Le nain fonce droit devant et inflige des dégâts, ok non. Pourquoi pas? Est-ce que tu peux me renverser ce truc-là? Et dégage! Mais je l'ai raté. Bah ouais, hein, sinon c'est pas aussi drôle. Ouais, reste face à ça. Hein. Enfin, tu vas t'en prendre plein le dos. Bah ouais, c'est ça. Il va se régaler. Oh, car lui, arrête de coups critiques sur le nain. Heureusement qu'il est un peu blindé le nain. Heureusement qu'il bouge pas, mais qu'il est blindé. Hein. On passe un sale moment. On passe un sale moment. Ça, la toux sèche. Ah, la toux sèche, ça marche là-dessus? Non. Mais en gifle de base. Ah, tu le tues pas en gifle de base? Bah, tant pis, gifle de base quand même. Ah, bah si. Et tombé. Hop, je me mets à côté de mon barbare. Tac, tac, tac. En termes de points de vie, là, va falloir commencer à check. Le nain, il y a une elfe pas trop loin, ça peut se faire. Le voleur, il est serein. On pourrait se faire une petite gifle de Namzar des familles. Genre, ma sorcière pourrait venir là. Ah oui, mais elle va être considérée au corps à corps. Hein. Alors attends, si je veux les namzer ceux-là, il faut que j'avance de... Faut que j'avance de pas mal quand même, hein. Faut que j'aille prendre une tatane, hein. Allez, va prendre ta tatane. Raté. Excellent. C'est exactement ce qu'il fallait faire, mon beau gobelin. Ah oui, c'est vrai que ça les décale, c'est rigolo. Ça les décale suffisamment pour placer un ogre proprement.
contre, il m'a attrapé un ranger. Je dis que ça. Hein? Je peux me placer genre sereinement dans son dos là, comme ça? Dessus, il le vit bien? Ah, j'ai trouvé un autre gobelin. Venir celle-là. Merde! Il y en a encore beaucoup de la dynamite sur le dos là, que j'aurais pas vu. Bon, alors, si jamais vous jouez à Donjon d'Albuck, évitez de faire des pauses trop longues entre les épisodes, hein. Entre les sessions de jeu. Dans les RPG, de manière générale, c'est pas une bonne idée, mais bon. Même pas mal. Et il manque le dernier ninja qui va apparaître. Je prends ça. Oh, pris ta petite gifle. Moins 32. Certes. Aïe. Certes. Alors je peux pas taper parce que j'ai ma sorcière, donc je peux pas faire mon grand coup de lame au milieu. J'en sais rien, moi tape ce truc. Tiens. Bah tu bouges pas. Mon elfette, bah tu vas me relever ça tout de suite. Allez, des Obi-Wan et des Kenobi. Une gorgée de café. T'es nef, tu sers pas grand chose, positionne-toi, ouais, comme ça c'est très bien. On en fera des tambours. Ah bah alors lui vraiment il veut faire des tapis avec des tambours et tout ce qu'il traîne, hein. Donc j'ai deux dynamiteurs, ou j'en ai qu'un là. Attends, lui c'est un dynamiteur et lui là, non, je sais plus. Pas moyen de savoir. Augmenter ma parade, foncer sur un truc, on pourrait foncer là-dessus. Mais je vais me prendre une attaque d'opor, je crois. Ah mais attends, je peux foncer sur genre n'importe quoi ou n'importe qui, genre comme ça là, en mode tout droit là, comme un gros sourd. Parfait. Ouais, ça dégage. Je prends des attaques d'opportunité si je bouge. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça veut dire que j'ai quelqu'un d'invisible à mes côtés? Très étrange. Je comprends pas tout. Attention. Ah, c'est tranche tendon. Oui, je peux prendre des dégâts à cause de tranche tendon. Je suis couillon. Je suis un gros couillon. Une petite toux sèche? Ou alors carrément une pluie de baffes. Bah ça va partir sur une pluie de baffe, hein. Oh putain, tu les as pas eu mon gros, tu déconnes. Du soin, oui, mais du soin sur qui? Du soin... Ah, le nain est trop loin. Il va falloir qu'on aille jouer des attaques d'opor. Quoi, je prends tout ça d'attaque d'opportunité? Non mais attends, c'est sérieux là? Ah, j'ai tranche tendon, c'est pour ça. Tranche tendon qui me fait horriblement mal. Au corps à corps, tu fais pas de dégâts, ça sert à rien. Le nain est trop loin d'une case, putain. Secours. Soit de blessure. 32 points de vie, ça rend 6 points de vie par tour. C'est pas déconnant, un petit brocoli. T'es comment, ma fille? Bon, t'as de la marge. Bien que tu pourrais brocoli ce monsieur là. Voilà. Oh bah lui il se balade, il prend les meilleurs angles de tir de sa vie. Hein. Même pas mal. Ah oui, j'ai tranche tendon. Sinon je bouge pas. Je lui mets juste un carreau d'arbalète empoisonné. C'est sérieux.
Moins 19, putain, il cogne quand même, hein. Un gobelin, ça va? 100 gobelins, ça craint. Je me sens pas bien. Ouais, je te crois, ouais. Les snipers gobelins font si mal, c'est infâme. En moins 2 points de vie, je lui fais rien. Ok, donc il peut me gifler et il prend pas de... Je suis pas du tout énervé, hein. Vas-y, ramène... Ah, ramène là. Tu peux pas. Technique de soin avancée, ta-ta-ta-ta-ta, aussi les cibles enflammées, hein. Bah oui. Ah, donc vas-y. Ouais. Serre les dents. En avant. Même pas mal. Bon, bah désolé ma sorcière. Hein. Ah non, je peux pas faire ça, je vais vraiment la pulvère. Hein. Je peux pas faire ça. Bon ça, il lui restait un point de vie à... Putain, vraiment, le jeu est infâme. Non, tu sais quoi, prends une action de plus, mon grand. J'ai besoin de toi sur ce coup-là. Allez, faut commencer à dégager les cons. On va voir comment ça a pété, ça. Ça va très mal se passer. Voilà, c'est à peu près ce que j'attendais. Viens m'embrouiller ce con là. Voilà. Parfait. Une elfette. Elle peut pas bouger. Elle peut rien faire la pauvre. Si elle peut taper ce con. Ouais, laisse tomber. Super, on lui a fait bobo doigt. Et on est hyper content. Hein. Voilà. On est hyper content, on lui a fait bobo au doigt. Oh, j'ai plus de pointillés, au secours. Au secours. Le nain est mort dans 2 tours. Parfait. Si je me mets là, ça va encore péter. On va peut-être éviter cette histoire. On va backdash, on va aller voir ce nabo là. Avec son fougil de sniper là. On va lui burper dessus. Et voilà, comme ça t'es mort. Allez. Voilà. Ça zone parfaitement bien, on adore. Ma sorcière bien aimée. Ma sorcière bien aimée, est-ce que ce serait pas le moment de t'en mettre une petite dans le buffet dans le plus grand des calmes? Ça me rappelle les cours de potions avec cet horrible professeur aux cheveux gras. Ah oui, parce que t'as toujours ton tranche-tendon qui est actif. Ok, bah c'est pas grave. Je vais te placer quand même comme ça, même si tu perds des points de vie. Salut. T'attaque dans le dos sur l'elfe. Hop, c'est une savonnette. Alors. Il y en a plus d'un qui aimerait bien te ramasser, hein, mais. On adore l'humour, hein. Coup de couteau à l'ancienne, t'as vu. Bon, par contre, au tour prochain, mon nain, il est foutu, hein. Faut absolument que je heal mon nain au prochain tour. Oh, j'ai tellement bien fait de la heal, ils vont me la tuer. Au secours. Mais c'est quoi ce mec qui arrive à se désengager du combat sans prendre quoi que ce soit? Et même lui, il était officiellement... Ah d'accord, il va se mettre en mode je vais péter, ok. Le ranger de Loubet. Le ranger de Loubet. Le problème du gobelin, c'est qu'il est toujours au pluriel. Je suis d'accord. Même pas mal. Fort bien. Non, je vais essayer d'envoyer ma fifi dessus. Par contre, ce qui serait formidable, c'est que tu me tues ce connard là. Genre maintenant. Genre. Comme ça, tu vois. Genre, ça c'est parfait.
toi tu viens ici, parce qu'elle va falloir venir au corps à corps de toute façon. Voilà. Mon elfette qui se la pète. Dégage-nous ce connard. Bon, ça y est, ça commence à tomber un peu, mais c'est pas vivace, hein. Et on a encore un petit paquet là-haut, hein. Oh, grenade, non mais sérieux. Immobilisé. T'as immobilisé mon ogre. Faut que tu manges mon pote, hein. Et c'est tout ce que j'ai comme soin pour toi. Formidable. Et elle, malheureusement, je suis obligé de la déplacer pour aller, figurez-vous, sauver un nain. Ah putain, il me fout dans une sens le jeu. Hop, à la baston. Bon, j'ai récupéré un nain, c'est déjà ça. Bah ouais, ouais, vas-y, hein, termine-le, hein. Hop là. Attaque de flanc. On se bat dans un gourbi-gobelin, c'est minable. Bah voilà. C'est trop injuste. Mais ils sont insupportables. Il y a encore du renfort qui arrive. Bah ouais, j'avais clairement pas assez de PV. Bah très bien. Alors t'es comment mon ranger de loubet? T'es pas dingue, hein, mais ça fait le taf. Tabasse-moi ce truc. T'es comment toi? T'es pas bien. Allez, potion. J'avais soif. Joue ton action tout de suite. 101% et je lui infligerai 37 à 47 dégâts. Et si je mets un coup large comme ça, 28 à 39 dégâts. Pas d'intérêt. En plus, j'ai moins de précision, je crois. Ouais. Échec critique. On est parti en vacances à la plage ou quoi? J'ai pas du tout le démon. Y'en a qui pensent que j'ai le démon, mais. Debout. Hop. Qu'est-ce qu'ils vont encore me lancer comme saloperie? On va pas pouvoir tenir comme ça éternellement. Est-ce que tu veux bien me foutre ça par terre, hein? On va se savater tranquillement. Voilà. On va savater ça bien. Et on va se tourner dans l'autre sens au cas où l'autre il aurait des choses à revendiquer. Fort bien, fort bien. Donc lui il est tourné dans l'autre sens. Bah très bien. Si c'est ce que t'as envie mon gars, c'est ce qui va t'arriver. Hein. Je veux même pas en entendre parler, dégage. Voilà. Trêve Sharon. Une gifle de Namzar pour qui? Une gifle de Namzar pour toi? Allez. Empurez les gobelins! Et hop, tombe-moi Fifi. Voilà. En deux tours, on a plus de. Oh, le sniper. Le sniper, au secours! Bah voilà. Ils m'ont bouffé tout mon soin. Ça aurait été un épisode de 30 minutes de souffrance. On peut presque l'intituler comme ça, on va presque l'appeler. Ah mais il y en a encore! Dans tes rêves! Donc maintenant si on le tape on prend des dégâts, formidable, super, je suis trop content. Ça augmente mon endu. Ouais mais non, on va taper. On va le taper, il faut le tomber. Voilà. Bah tu restes ici, hein, parce que nous par contre on prend des attaques d'oppor. Sur les attaques d'opportunité le jeu il est pas clair, hein, je trouve. D'accord. La baston. Dans sa face. Bien joué mon petit pote.
Et tourne-y le dos, tant pis. Là, faut appeler assez de points de vie pour t'amuser à ça. Oui, bah tue-le. Hein. Me dis pas qu'il explose. Ok, c'est bon, il explose pas. Encore une grenade. Oh. C'est infernal. Oh non, eux ils frappent fort en plus. Oh non, j'aime pas ça. Oh non. Je suis pas fan. Sauf si c'est mon pote. Tiens la ligne. Mais tiens la ligne si fort, mon pote. Je t'expliquerai bien. Ouais, tu vas te mettre là comme ça à côté de ta sorcière préférée. Boum boum. Je sais pas pourquoi je prends pas de gif, mais bon, ok. L'autre voleur sera hors combat, on peut pas faire autrement. Ce qu'il me met, ce sniper de merde. Alors j'ai beau être matinal, bah j'ai mal. Ça m'arrange pas, j'aurais besoin de soigner la fille qui est par terre. Mais je peux pas rien. Donc on va se mettre un genre de loubet par ici. Attention, ils vont me tirer les cheveux. Serre les dents. Lui il est par terre, il serait peut-être temps quand même de le terminer à un moment donné. Sa poutre. Est-ce que toi tu peux donner ta popo à cette petite chose, voilà. Sauver un tour près. Hop. Hop. Tac 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 tac. Oh là là, mais c'est insupportable. C'est insupportable. Lui au moins c'est bien, il est mort de flammes. Le nain qui va manger. Tu croyais quoi, qu'un nain s'est pas bougé? Alors c'est pas faux. C'est... un ogre. Commence à être chaud. Hein. Commence à être très chaud. Un voleur définitivement hors combat. Ils vont vouloir forcément tabasser le nain, mais de toute façon j'aurai pas trop le choix. Alors c'est quoi l'histoire? C'est si je tire, je touche méga, c'est ça? Ah oui, j'ai 7% de chance de toucher méga. Ok. Ouais, ça va rien faire, l'armure de ronce. Envoie 15% des dégâts, vas-y. Charge le nain. Et hop, on te met derrière le crew. Me voilà. Merde. Qu'est-ce que je prends comme caisse? Au secours. Ah par contre quand je fais parade l'armure renvoie rien. Mais c'est les, ça doit être des dégâts subis alors. Bah ouais ouais, il faut que je ramène mon ranger. Vas-y saucisse mon ranger. C'était de la vraie merde. Non c'est pas ce que je... J'ai une souris un peu fatiguée du coup je fais des misclics. Ça arrive. Oh putain. Au secours. C'est insupportable. Gifle-moi tout ça. Sac à fiente de chair. C'est raté. Bon bah c'est parfait. Ce que je propose, c'est, tant pis, c'est de reprendre une action. Et tabasser ce connard là. Mon
comment ça, Bouviette ? Des bisous. Allez. Mais qu'est-ce que... Allez, hein. on va faire le pack, tant pis, hein. Tant pis, hein. On est parti pour tous mourir, on a plus de PV, le pack. Attaque d'opportunité ratée. Ah non, et l'autre il marche sur un truc, c'est pas possible. C'est pas possible de me détester comme ça, le jeu. Ça suffit, hein. Des tornades de gifle ou le coup de bide. Ah, techniquement, faudrait que je te mette un coup de bide, hein. Mais voilà, ça va me péter à la gueule. Voilà. Ça m'a super bien pété à la gueule. Hop. Oïs, la saucisse. Aïe ! Mais ce sniper, hein, il aura défoncé la moitié des PV du groupe, hein. En solo. Bah, faut remonter le nain, allez. Yep. Ah, le retour du paradis des nains. Ça va cogner. Ah ouais, ouais, je te crois, hein. Je crois, mon bonhomme. Hein. Ah bah là, il y a une jolie grenade, hein. On va pas s'en priver, hein. On va peut-être me le tuer, le nain génieux, à un moment donné, hein. Enfin, les deux gobelins génieux, là. Enfin, d'ailleurs, tous les gobelins tout court. Parce que je commence à plus rien avoir, hein. Super. Est-ce que ça arrête ton état enflammé? Ouais, ouais, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y champion, vas-y champion. Allez, tue-moi ça. Oh, non, c'est pas possible. Gueule. J'ai compris, pas d'aubergine. S'il veut. Aïe ! Eh ben, on va reperdre un gars tout de suite, hein. C'était bien. Bah super, hein, c'est raté. Au secours, le scandale, quoi. Ouais, bah je vais en perdre deux, là, hein. Même voilà. Pas mal. Plus baston. Une gifle de Namzar là-dedans, je veux pas le savoir. Voilà. C'est un crit. Quel plaisir. Un Ranger de Loubet. Ah, on peut encore faire des choses avec notre Ranger de Loubet. Figurez-vous qu'on a encore une potion de soin. Allez mon gars, t'y retournes. Pas encore mort. Pas encore mort. Je veux un grenadier gobelin dans mon équipe, c'est trop bien. Ouais, ouais. Tu peux rien toucher avec ça, tu peux éclater un ranger. Ouais, c'est cool, hein. Leur sniper, il... C'est lui, hein. Donc lui, il a pas encore joué. Tu vas te mettre face à lui. Aïe ! Même pas mal. Et t'as un tranche tendon actif, donc tu bouges pas. Ouais, 22% de chance de toucher. Allez, vas-y, j'y crois. Voilà. Grosse croyance. C'était méga bien. Tu sers à rien, mec. Ouais. On court, hein. On a combien? 38% de chance. Jamais ça touche. Ah, il y a vraiment aucune chance de toucher personne, hein. Je me sens pas bien. Ouais, j'ai besoin de bouger, c'est ça le truc. Ah bah, c'était bien pour le ranger de Loubet. C'est formidable. Au secours. Oui,
la chaise compte comme de la défense. Donc ça m'emmerde. Ça m'emmerde au possible. Bah écoute, hein, on va tenter tout ce qu'on peut. Hein. Une chance sur trois, jamais ça passe quoi. Oh la grenade de groupe. Attaque dans le dos. Ok, ça va, ça c'est gentil. Le nain il peut me bourrer personne. Tu peux pas toucher ce machin là. Si? Non, il peut même pas. Il peut toucher que ce truc là-bas. J'ai besoin de toi sur ce gobelin. Et toi, tu peux même pas bouger, t'es condamné à être obligé de tirer comme un débile avec ton arc, là. Voilà, échec critique, formidable. Chrome. Bah voilà, formidable. Enfin, parfait, au moins tu donnes des points aux copains, ça c'est parfait. Alors ce gobelin minable, j'en peux plus, j'en ai marre de le voir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut qu'il meure, à un moment donné. Soyez un ranger de Loubet. En faisant des bisous bisous. C'est censé être des épisodes de 30 minutes. Le jeu me troll. Ça fait 41 minutes qu'il me bolosse. C'est pas très gentil d'être méchant. Et oui, je vais te consacrer une action supplémentaire. Parce que t'es plutôt bonne à recherche. 73%. Bah tant pis, on les prend. On pense qu'on peut prendre. Allez, c'est esquivé, tant pis. C'est un petit peu fatigant là. Je souffre. Aïe, j'ai mal. Pas la moustache. Tout ça. Ok, je vais repositionner une sorcière. Paf. Je vais pas regarder combien de pourcents, mais. C'est esquivé. Voilà. Soigne-moi un barbare bien à fond. Parfait. Oh, vas-y, je vais te placer devant. On reste en pack, hein, malheureux. C'est des ennemis du pack, les gobelins, mais bon, tant pis. Hein. On a pas trop le choix. Ah, je peux. Ah ouais, j'ai pas du tout l'atteindre. Je peux pas du tout l'atteindre. Où tu seras en full vigilance sur ce gobelin, parce que je ne peux rien faire. Mais bon, il va mourir, hein, donc là, à un moment donné... voilà. Tornade. Voilà. Parchrome, va lui mettre des bonnes gros gifles. Voilà, tu prends cet arc-là, qu'on appelle un gros couteau, tu gifles. Voilà. Tu me gifles. Ah oui. Gifle-moi ce guignol. Voilà. Oh, c'est bon d'être vivant, non? Je suis encore là. Ah oui, je l'avais oublié. Mais... Gagne un niveau. Vous avez morflé. Donc là, on a 3 blessures sur un voleur. Donc oui. Utilise ça. Vas-y. Ouais, on va remettre l'équipe d'aplomb. C'est meilleur. On a mal. Oh, il y a beaucoup de loot. Il y a un nouveau bouclier pour mon nain, ça c'est bien. Nouvelle tunique elfique, on va voir. On prend tout. On remballe. On remballe et on va faire un petit tour dans l'inventaire. Parce que j'aimerais soigner ça avec des bandages et qu'il arrête de me proposer. Ça par contre, voilà, s'il y a un défaut à faire au jeu, c'est que... Pour une blessure, il pourrait proposer un bandage. Non, il propose tout de suite le top. Voilà. Hop là. Si ça sent, c'est mes bottes. Excellent. Kruger m'a fait. Ça donne 1 de protection, 1 d'impact physique. Non, ça donne 2, excusez-moi. Et actuellement, il a du 1. Équipe. Voilà, c'est plus mieux. Et ça donne du courage et moins d'intelligence.
C'est un barbare. Il a pas besoin d'être intelligent. Se faire les poches à soi-même, c'est la mise en abîme du voleur. Bombe d'acide, ça détruit l'armure. Voilà, c'est intéressant ça. 9 à 13. À 10. Ah ouais, c'est une grenade, mais plus mieux quoi. Ok. On va l'exploser. Je donne rien à personne. Je suis d'accord. Ah, on double la protection, donc bon, on passe de 1 à 2, hein, c'est pas non plus fou. Hein. Et on gagne 2 de parade, hein. Ça s'équipe tout de suite. Hein. Les bons oh là là. Bonne personne. Exactement, et en plus il est beau. Oh là là. Potion d'avidité de Zubil. Les gens racontent que Zubil, archimage spécialisé dans la discrétion, aurait trouvé un moyen d'allonger la durée d'effet de ses concoctions de manière drastique depuis plus personne ne l'a vu. Évidemment, évidemment. Ah non. Je peux leur mettre une petite potion dans le buffet. C'est précieux. Je suis toujours le plus démuni. Ou je peux leur mettre une petite saucisse peut-être éventuellement. Il manque combien de PV à ce crétin? Ah, beaucoup. Plus qu'une saucisse quoi. Cette potion avait un aspect suspect. Tac, est-ce que tu veux bien me mettre une popo en emplacement 1? Ça rend de l'endu. Tu équipes en emplacement 1 et tu équipes en emplacement 2. Ne pas mélanger les potions, sinon ça peut exploser. Faut que je rééquipe toute la famille là. Hein. Résistance physique 15. Pas sur toi, ça serait très intéressant sur un gros, on va voir ça après. Combien il te manque de points de vie? Ouais. Vas-y, mets-toi une popo. Emplacement 1. Hop. Ah, ça serait pas inintéressant de la jouer avec une bombe. Ou en invisibilité. Hop là. Voilà, je tente des trucs. On va s'occuper de son niveau après. Zogzog. Zogzog, mon pote. Un jambon qui rentre des points de vie et qui donne de la résistance physique, c'est équipé. Avec ça, on n'a pas des meilleures saucisses. On n'a pas genre des saucisses haut de gamme là. Soin et qui rend des points de vie par tour. Tiens, un petit légume vert, fais-toi plaisir. Ça, c'est. Vous voyez, je pourrais l'équiper mieux, mais c'est juste parce que c'est RP d'équiper l'ogre avec de la bouffe. C'est juste ça en fait. Utilise. T'as beaucoup trop de points de vie, mon gros, c'est insupportable. Pas équipe, je voudrais consommer, c'est possible? On peut pas utiliser une saucisse de loubet là comme ça. C'est vache. Bon. Faut qu'on passe à la potion du dessus, hein, parce que là on a mal. Emplacement 1, et combien de points de vie la petite par contre? Ouais, bon, vas-y. Nouvelle tenue? Qu'est-ce qu'elle raconte? Tu as actuellement du 1, ça te fait du 1. 1 de charisme, 3 de pression, en fait cette technique n'est pas mieux. 1 d'adresse, bon, c'est pas ce qui m'intéresse. Et alors on a des bottes de grande randonnée, qui vont nous donner du 3 d'endu au lieu de 1 d'adresse. Je vois pas trop à quoi sert l'endu, ok, admettons. Emplacement 1. Ah oui, c'est vrai qu'il a une grande ceinture, lui. On va peut-être dû mettre au voleur la grande ceinture pour avoir un grand choix de grenades, au passage. Parce que j'ai peut-être fait l'erreur aussi de jouer mon voleur en corps à corps. Eh ben, c'est pas bon. Le jouer en distance. On dirait la soupe de ma grand-mère. En emplacement 2 et en emplacement 3, parce que j'ai plus que ça en fait. En fait, j'ai plus que ça, mec. Donc, c'est la misère. Pouf, ma sorcière. Compétence de notre sorcière. C'est parti. L'adresse pour augmenter sa précision magique calculée par intelligence plus 3 fois l'adresse. Ah oui, parce que c'est sur 100. Ah oui, donc l'adresse prime plus que l'intelligence pour le toucher magique. Ah bon, après on s'en sert surtout pour blaster des gens. Mais je suis d'accord parce que j'ai quand même touché des petites amies. Que vu qu'elles tirent un projectile en ligne droite, on faudrait quand même pas non plus se faire soulever. Guérir aussi l'état tranche tendon. Alors ça a commencé à franchement m'intéresser. Des nouvelles compétences. Parce qu'on s'en prend plein la face. Gagne 25 en énergie astrale maximum. Ouais, sauf que ça sert à rien, parce que ce qui m'emmerde toujours, c'est le rechargement de mes compétences. C'est pas... Le mana jusqu'ici ne me pose aucun problème, quoi.
Gagne de la régénération en énergie astrale. Mais moi, je veux gagner du temps de rechargement. Gagne 5 en esquive. C'est pas déconnant. 10% de dégâts supplémentaires. C'est pas déconnant. Plus 2 de portée. C'est pas déconnant. Elle gagne 5 en courage quand elle est adjacente à l'ogre. C'est pas déconnant non plus. C'est vrai que je la joue pas mal. Mais courage, je suis pas sûr que ce soit très utile. Tata, résistance physique, magique. C'est intéressant, mais l'objectif, c'est qu'elle se fasse pas blaster. Bon, même si le jeu adore attaquer les faibles et pas les tanks. Je n'ai pas très fair play. Le jeu joue comme un PJ, pas comme un PNJ. C'est terrible. On pourrait en parler de ça. D'ailleurs, je pense que je vais vous préparer un petit JDR derrière. Bien viscère, bien énervé. Du DPS. On a pris du dégât. Les nains font des cartes sur du granit. C'est plus lourd, mais ça dure plus longtemps. Non, je suis d'accord, hein. Il a toujours raison, ce garçon. Non, est-ce que je peux prendre mon ranger de Lubei? Et on va se balader. Alors attends, je crois que c'est Tab qui monte les choses, voilà. Hop, hop, hop. La démonologie de manque de bol. Qu'est-ce que ça raconte? On est là pour bouquiner, hein. Je suis désolé, l'épisode est particulièrement long, mais le combat a été particulièrement long. Démonologie, manque de bol, 1 sur 4 par Acutrus. Manque de bol est probablement à l'origine d'un des démons majeurs, donc je suppose d'un des démons, probablement. Ah non, est probablement un des démons, d'accord, donc manque de bol lui-même serait un démon. Un des démons donc majeurs de Tzinch, référence évidente à Warhammer. Dieu de la magie. Voyant que son maître était parti en laissant vagabonder les vents de la magie dans tous les sens, il se rendit compte que le chaos s'était instillé dans la vie de tous les jours, et que des actions, en apparence effectuées avec logique et réflexion, pouvaient très bien foirer de manière inexpliquée. Un arc narratif fort intéressant. Poète. Il y avait juste un vieux bouquin tout pourri là. Genre on va même pas avoir droit à du soin ni rien. Bon, c'était Knarfank sur Code d'Habitude Gaming pour une heure d'épisode, je suis navré, et je vous dis à la